Salut! Donc, dans ma vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous montrer comment j'enlève tout ce maquillage parce que ça m'a été demandé. Donc, voilà, je vais vous montrer les étapes que je prends pour démaquiller mon visage à la fin d'une journée. Alors, commençons. Donc, tout d'abord, je vais prendre ce nettoyant pour la figure que je vais appliquer et que je vais masser sur ma figure. Donc, l'important, c'est de vraiment venir masser la figure, comme ça ici. Juste avant de continuer, je vais retirer mes faux cils. Je vais les retirer, les démaquiller séparément et les remettre dans leur boîtier parce que je peux les réutiliser. Donc, je les enlève et voilà. Donc, une fois c'est fait, je vais aussi mettre ce savon au niveau de mon front, mes sourcils aussi. Je vais passer tout près des yeux, mais ce savon-là, il va pas. On peut pas le mettre dans les yeux. Si vous le faites, vous allez voir, c'est pas confortable du tout. Je vais l'appliquer aussi au niveau de mon cou, pas l'oublier, parce que c'est une partie souvent qu'on va maquiller ou poudrer. Donc là, le but, c'est de vraiment venir masser pour faire soulever le produit, parce que si on fait comme ça et qu'on rince, on s'en rend pas compte, mais il en reste encore souvent beaucoup de produit. Et je vais venir enlever le savon avec une lingette démaquillante réutilisable. Pour enlever mon maquillage, si vous n'avez pas vu ma vidéo avec BoxyCharm, je l'ai reçue dans cette boîte-ci du mois d'avril. Donc, je vais aller mettre en lien juste ici. Vous allez pouvoir voir cette vidéo. Alors, je vais retirer mon maquillage. Donc, pour démaquiller le contour de mes yeux, je vais seulement utiliser cette lingette. Je vais tenir mon œil et je vais aller dans l'autre sens. Donc une fois que c'est fait, je vais utiliser une eau démaquillante de chez Eva Rocher que je mets sur un petit coton et je vais seulement venir glisser doucement sur la peau. On va voir l'excédent de maquillage qui peut rester sur la peau parfois. Et voilà, donc il reste un petit peu de saleté. C'est bien de repasser comme ça avec un autre produit pour bien enlever toutes les impuretés et vraiment avoir la peau fraîche et propre après une journée d'avoir porté le maquillage. La prochaine étape que je vais faire, c'est de prendre un coton-tige et je vais mettre quelques gouttes d'hydrasense sur le coton-tige. Je vais venir passer à l'intérieur, en bas et en haut de la muqueuse de mes yeux pour voir s'il reste des impuretés de maquillage. Donc on y va, comme ça ici. Et je passe en haut. Et voilà, j'ai fait la même chose, de l'autre côté. Encore une fois, de cette façon, on a les yeux propres. Donc ensuite, je vais continuer avec la crème hydratante de chez Eva Rocher qu'on peut utiliser le jour ou le soir. Je vais l'appliquer pour ce soir aussi. Le visage, le cou et le décolleté sont vraiment les parties de la peau qui sont souvent exposées, donc qui ont le vieillissement plus rapidement. Et aussi, c'est une partie où la peau est très fine, donc il faut vraiment bien l'hydrater. Jamais oublier le cou et le décolleté. Une fois que c'est fait, je vais venir cibler le dessous de l'œil avec 24 Hour 7 Retinol de Dr. Ren. Je vais venir l'appliquer en pressant doucement autour des yeux jusqu'en haut. Pour les endroits de ma peau où je vais voir des petites rougeurs, des apparitions de boutons peut-être ou des choses comme ça, je vais utiliser l'huile essentielle de Tea Tree et je vais l'appliquer encore une fois au coton-tige localement, direct sur la rougeur. Donc ici, je peux en appliquer un peu. Et je vais prendre un coton que j'ai humidifié et je vais tout simplement venir presser là où j'en ai appliqué pour enlever le surplus. Vous risquez de sentir une fraîcheur là où on a appliqué l'huile de Tea Tree. C'est normal, c'est ce qui fait que ça fonctionne. Et donc, je termine avec un baume à lèvres pour lèvres sèches, comme celui-ci, que je vais appliquer doucement. Donc, c'est super important de ne jamais oublier, de ne pas aller au lit sans avoir enlevé votre maquillage. Si vous l'oubliez, les produits que vous avez mis dans votre figure vont venir boucher les pores de peau, ce qui va venir créer de l'inflammation et venir faire sortir des boutons ou empêcher les toxines de circuler donc à l'extérieur de la peau. Donc, à chaque fois que vous vous couchez et que vous vous relevez le matin, en plus que tu sais, votre visage est sale, la peau a besoin de respirer pendant la nuit. Donc, si vous vous couchez avec le maquillage, ça empêche vraiment de bien respirer, de se régénérer et ça vient activer en plus le vieillissement de la peau. Donc, c'est une étape super importante à faire. Si vous n'avez pas le temps ou que vous y pensez pas, un petit truc, mettez un petit emballage de lingette démaquillante comme celui-ci que vous pouvez mettre directement sur votre table de chevet. Comme ça, vous êtes sûr d'enlever de façon générale le maquillage que vous avez à la figure et aussi garder toujours aussi
une petite crème sur votre table de chevet, comme ça, dès que c'est enlevé, vous pouvez appliquer votre crème et le faire d'une façon très simple. Mais ne négligez pas cette étape, c'est super important pour votre peau. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a aidé et on se revoit très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!